Alors en deux mots, explique-moi, pression turbo, tu montes à combien? En 1-2, ça je regarde pas, ouais ça bouge. Ah là, la pression en roulage, tu veux dire? Ouais. Ouais. Là il est taré à combien? Là il est taré, alors je peux le changer ici. Tu vois, là il est à 1,5, je peux le mettre à 1 ou 0,8. Ça c'est mes cartos en fait. Ah putain, d'accord. Donc voilà, je choisis mes cartos, j'ai 3 cartos, une à la normale, quasiment comme l'origine. Ouais. Une à 530 chevaux à peu près, et l'autre à 600, la dernière. Donc je peux choisir mes cartos. Après tu peux choisir les différents... Alors les 4 premiers écrans, ils sont paramétrables. Tu peux, tu vois, t'as les... Tu peux choisir dans une liste que ouais. tu veux afficher sur les 4 premiers écrans. Après, tu as des écrans pré-paramétrés. Ouais, sur les G, tout ça, accélérer à la fédale, etc. Puis à la fin, tu as efficacité moteur, efficacité conduite, puis les chronos pour les sorties. Bon. Moi, je mets toujours celui-là parce que j'ai. Celui que je me suis fait, j'ai toutes les températures. Ça me permet de surveiller pendant que je roule. D'accord. Alors, on s'accroche où? Non, là, c'est tout, là. Non, tu mets ton genou là. Mais tu pourras, non, tu peux pas avancer parce qu'il y a. D'accord. Il y a le. Comment ça s'appelle? Extincteur. Extincteur qui a été installé. Et ça, c'est ta sellerie d'origine à l'avant? Ouais. D'accord. À la place là-bas, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai de passer. Ah, je crois que la blanche va chercher à partir. Ouais, bah je. Ouais, et il saute. Ah, parce que moi sur mon V10, je suis content, c'est le bruit. Mais je suis obligé d'être en début de zone rouge pour avoir mes bourrins, quoi. De la Porsche de tout à l'heure. Ah bon? Pourquoi? Bon bah à l'autre, c'était pas la route. C'était pas le 4 roues la Porsche, c'était un 2 roues. Ah, d'accord. Là, comment ça tient? On le sent que ça tient, ça cherche à tenir. Ah, on va faire chauffer un peu les pneus. On est arrivé à 190 en bout de ligne droite tout à l'heure. D'accord. Genesis, c'était pareil, un 2 litres D, non? C'était un 3,8 litres. Ah ouais. Là, t'as quasiment pas de temps d'attente entre deux rapports. T'as pas de temps d'attente au niveau de ton rapport. Ah, quand je le passe. Ouais. Ah oui, c'est normal. C'est moi qui les commande là. Ouais. Bon, allez. Thank you.
c'est un truc de ouf le couple. Le couple de ouf, je suis vraiment impressionné quoi. Ah celui-là il est chiant putain. Impressionnant quoi. Puis ben la tenue de route quoi, c'est fait pour quoi. Taquine quand même. Ouais ça va. Ouais. C'était pour te montrer. Ouais bah. Là on s'en rend pas compte mais ça, ça... Ouais non là ça va encore. Ouais. Mais je suis en bout de freinage. En fait c'est que j'ai un dégressif alors. Comme je suis un peu toujours sur le frein. Ouais 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 je vois ce que tu veux dire. T'as l'impression que mais parce que je bloque un peu les roues mais pas trop quand même. Putain le couple de taré. Grave, grave. Là j'ai confiance donc c'est bon quoi. Mais j'ai trop fait le con passager. J'ai eu trop d'histoire et j'ai pris peur quoi. En tant que passager quoi. D'accord. Même en moto je monte plus derrière quelqu'un. Ah bah moi je monterai jamais en moto derrière quelqu'un. C'est fini. Une voiture de course quoi.
calmer parce que je commence à fatiguer en concentration. Ah oui, oui. Je le sens. Oh, combien sur la ligne droite? Je sais pas, t'étais à 2,40, 2,50. T'as regardé là ou pas? Non, j'ai regardé là-bas, 2,40, 2,50. Et on était à 190 à pleine bille, nous. Et la Porsche? Ouais. Et quand tu penses sur la petite distance qu'il y a, de reprendre 50 km/h de plus... C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. T'avais compris quand même qu'au début je roulais pas vite. Hein? Ouais, non, je savais que tu faisais chauffer les pneus à la bagnole, le thermique. C'est pas de l'hiver, donc. Ça avance pas en fait. Non, t'inquiète. Ah, c'est une bête de course, hein. Dur la bourre, hein. Là, c'est bon. Ah bah là, je vais te mettre une autre. Ah bah tant pis. Hein. Elle la marche très fort, hein. La rouge là. L'Opel là. Ah ouais. Je t'ai dit ce matin, je suis tourné dans sa session. Ouais. Ah, il me suivait bien. Hein. Parce que dans les enchaînements, si tu veux, il avait plus d'appui. Voilà, la ligne droite, évidemment, je lui mettais un boulevard. Mais dans les enchaînements, les petits enchaînements là, du coup, il arrivait à rester derrière tranquille, tu vois. Ah ouais. Tu regarde comment il arrive à attaquer la Porsche. Tu vois, il va passer la Porsche avant la ligne droite, je suis sûr. Il se démerde bien. Ah ouais. Bah, c'est une Speedster Turbo, ça fait. C'est 300, non? Ouais, quasiment 300, et puis c'est pas lourd. Hein. Ouais, c'est sûr. Putain, mais le couple que ça, c'est un truc de. C'est vraiment impressionnant le couple.